Valérie. Aujourd'hui, je vous montre comment créer des bougies, soit avec de la paraffine qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage, soit faire du recyclage des fonds de bougies qu'on a déjà utilisés. Et pour faire ça, on a besoin d'une vieille casserole qu'on n'utilisera plus en cuisine, quelque chose pour chauffer, un bâton en bois ou une vieille cuillère, des contenants, et je vais récupérer des vieilles tasses tout différentes que j'ai trouvées dans les vieilles armoires des grand-mères. Il faut la mèche et si vous voulez on a aussi pour les parfumer. On va commencer avec de la paraffine nouvelle. On va la faire chauffer. Faut faire attention, hein. On a besoin de rien rajouter. Ça devient vraiment comme de l'eau. On va rajouter un peu de lavande. Garder la mèche au centre, on peut mettre simplement deux crayons le temps qu'il refroidit. Dans la seconde bougie, on met des restes de bougies. On peut mélanger aussi des couleurs. C'est sûr que les rouges, ça sera un peu plus clair. J'ai rajouté de l'orange et du blanc. Faites bien attention, hein. C'est quand même une chose à faire comme il faut pour ne pas se brûler.
Et maintenant, je prépare le reste des bougies à la vanille. Après une demi-heure, la cire elle commence un petit peu à solidifier, mais il faudra attendre encore. Si la mèche n'est pas bien centrée, n'hésitez pas à vérifier dans cette demi-heure, parce que puis ça sera trop tard. Après une heure, la cire elle est complètement sèche. On peut couper les mèches. Les bougies, elles sont prêtes. J'espère que cet atelier, ça vous a plu. Et surtout, à bientôt. Ciao.